comprends pas pourquoi le port est fermé. Il y a eu un problème. Comme prévu, j'ai passé quelques coups de fil pour vous trouver un bateau. Vous aurez bientôt vos billets. Vous êtes content? Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Faites-moi signe quand vous voudrez partir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que Dino nous trouve un bateau. Ce type doit avoir le bras sacrément long pour arriver à contourner l'embargo impérial. C'est un artisan, mais il fait beaucoup de choses. Alors, vous êtes prêts à monter à bord? Hein, quoi, déjà? Le bateau n'arrivera que demain. Trouvez-vous plutôt un hôtel. Un peu de repos. Hey, salut, Notice. Il est où, Ignis? Il devrait pas tarder à revenir. Y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, Noct. Calme-toi. Me calmer? Je peux pas être plus calme que ça! Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia allait être... C'est n'importe quoi. On devait aller à Altissia. Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Si seulement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va. Ouais.
J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux? Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux? Calme-toi. Mon père en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent à rien. On cherche la vérité. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Non mais vous avez vu la taille de ces trucs? Ce sont des vaisseaux de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats Magitech. Tu parles de robots? Oui. Ce sont des armes humanoïdes, fabriquées en série. Vous êtes sûr qu'ils s'apprêtent à signer un traité de paix, là? Eh, regardez! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les soldats de l'armée impériale, ça vous dit de les dégommer? Oh, c'est quoi que te concerne? Ils vont regretter de pas avoir un traité prêt. Là où on va. En montant sur la colline, on aura une vue plus globale. Très bien. Ils ont ramené leurs robots. Les soldats Magitech. Dénués d'armes. Stop!
Les deux nations ont été interrompues suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et Dame Lunafreya de Tenebrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore inexplicables. Allume ça ! Pardon ! C'est pas la peine. Oui, allô ? Cor, c'est toi ? Tu es vivant. Voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel ? Où est-ce que vous êtes ? On est près d'Insomnia. On peut pas rentrer ! Normal. Normal ? T'es sérieux, là ? Tu trouves que tout ça est normal ? Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant ? Où est mon père ? Et Luna ? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort ? C'est normal, ça ? Calme-toi. Je me prépare pour me rendre à Amered. Hein ? Pour ton père. C'est la vérité. Je te raconterai tout quand on se reverra. Mais, je suis Insomnia. À plus tard. Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit ? Qu'il s'apprêtait à aller à Amered.
J'imagine que la garde royale est plus en faction. Ouais. En l'absence du maréchal, ils ne sont plus opérationnels. Oh. Je me demande bien ce qui se passe en ville. Nous devrions bientôt avoir des informations. Ouais, ils vont forcément en parler à la radio. Mais et nous, alors? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on rejoint Amored. Et on décidera là-bas. J'ai eu un message de ma sœur. Elle va à l'Estaloum avec d'autres réfugiés. Bon, au moins Iris va bien. Ouais, mais tout le monde a peut-être pas eu cette chance. Allez, ne perdons pas de temps. Nocte ne sera pas mort éternellement. Le long voyage qui t'attend. Et sans retour. Sans retour. On y va. Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor? Il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à papy. Ah ouais? Ouais, le patron se ronge les sangs depuis qu'il a appris que vous veniez. L'Empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qu'il s'est laissé berner. Des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres, et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire, au final, ça n'a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres. Ça paraît tellement loin, tout ça. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver d'abord. Je vois que t'as trouvé une drôle de machine. Quoi, ce truc-là? On l'a récupéré après avoir éliminé des impériaux. Elle a été fabriquée à Insomnia. Je pourrais te l'améliorer un peu. La rendre bien plus puissante. En faisant quoi? Je vais te la modifier. Vous êtes sûr? Comme c'est Cindy qui s'occupe du garage, forcément, j'ai pas grand-chose à faire. Allez! Reste pas planté là! Rapporte-moi des composants! Tiens, donne-moi un peu de temps, je vais te modifier ça. Et voilà encore un chef-d'œuvre. Tiens, prends-la. Oh. T'as encore apporté une machine intéressante, hein? Allez, si tu veux que je la modifie, trouve-moi ce qu'il faut. Une amélioration? D'accord. C'est exactement ce qu'il me fallait. À moi de jouer. Et voilà. Ça devrait être pas mal. Tu me diras ça.
En cas de problème mécanique, il n'y a qu'à demander à Cindy. Une amélioration ? D'accord. Ouf ! Ouh, mon pauvre dos ! Tiens, ça va ? Dis donc, Noct. Qu'est-ce qu'il y a ? Perso, je suis vraiment crevé. Ça te dit pas qu'on s'arrête à l'hôtel, là-bas ? Après tout, on n'est pas si pressé. Ouais, d'accord. Oh yeah, un bon lit ! Très bien, comme vous voulez. Ils doivent contrôler les allées et venues. À votre avis, comment c'est en ville ? Je sais pas. Je préfère pas imaginer. T'inquiète, on y retournera bien un jour. Sans doute. La question est de savoir quand. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu le cristal. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fini. Un peu de repos. Le Grand Cid. C'est moi, Dino. Ah oui, le mec aux pierres. Exactement, t'as bonne mémoire. Je me suis vraiment inquiété pour toi, tu sais. Si t'as un peu de temps, passe à Galdina. Quel heureux hasard.
C'est sans doute le village dont parlait Sid. Ça me fait penser à un repère de chasseurs. Ils peuvent peut-être nous donner des infos. Heureuse de vous voir sain et sauf, Majesté. Monica, mais où sont les autres ? La plupart des soldats n'ont pas survécu. Nous n'avons pu qu'escorter Mademoiselle Iris hors d'Insomnia. Dustin se trouve auprès d'elle. Ils ne tarderont pas à rejoindre l'Estaloum. Je vois. Je vous remercie. Faites vite. Le maréchal vous attend au tombeau royal. Oh,